Je suis venu avec le président Yaï Boni pour rendre visite au président Kafando. Comme vous le savez, nous avions demandé sa libération dès après les événements du mercredi 16. Le général Dengueré nous avait donné l'assurance. En effet, nous sommes venus constater de nous, par nous-mêmes cette réalité. Nous avons surtout échangé en profondeur avec le président sur la situation et aussi sur les mesures d'urgence à mettre en œuvre pour un retour à la normale. Et tout à l'heure, à la sortie de cette audience, nous allons recevoir le général Dengueré. Ça va être un peu la clôture des consultations. Depuis hier, vous avez suivi avec nous. Toutes les parties ont été entendues. Et nous avons un schéma qui se met en place. Nous espérons que d'ici la fin de l'après-midi, nous pourrons être plus explicites. Merci. Vous reconnaissez le général? Vous le reconnaissez? Oui ou non? Oui. Bon, voilà, nous venons d'échanger. Je dois vous dire que je tenais vraiment à vous remercier. Demain, tous les acteurs de la vie politique du Burkina vont se réunir, et ceci en présence du groupe international de contact, donc y comprenant la commission de le président de la commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le représentant du secrétaire général des Nations Unies et d'autres. Et sans oublier naturellement le général, sans oublier le président Kafando et tous les acteurs. Donc, vont se réunir demain matin, pour lâcher la bonne nouvelle au monde entier.